Et bonjour tout le monde. Je sais pas si vous m'entendez bien, si ça fonctionne, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Ouais, le plaid est de sortie. Ouais, le plaid. Ouais, il fait froid, ça caille. Désolé, ça caille. Et vous voyez le bordel derrière. Ouais, voilà. Tout est normal. J'ai fait un petit tour ce matin, normal et action, parce que bah, j'étais à Noroto pour mes clignotants. Doudou n'avait pas réussi à changer ceci. Alors, on est allé chez Naruto. Du coup, je suis allée à Action en attendant qu'il me fasse ma réparation. Donc, je vais vous montrer ça. Par contre, je vais mettre en comme ceci. Donc, oui, je suis sur cette magnificence de Polo. Voilà, et hier soir, j'étais sur le live de Kael Deron. Et du coup, je savais pas quoi faire pour le fond parce que le fond était. Non, pas ouf. Et du coup, bah, on m'a dit j'ai son noir. Ah, je me fais ouais, c'est pas mal, j'ai son noir. N'est-ce pas? Donc j'ai fait un petit peu de gesso noir, mais je vais rajouter des trucs, je sais pas encore. Je sais pas si je vais rajouter avec pochoir ou quelque chose, mais je vais sûrement rajouter quelque chose quand même. Voilà. Donc voilà pour lui. Donc, alors, chez Action, j'ai repris. Bah non, j'ai pris du film statique pour les vitres. Voilà. Donc j'ai pas repris l'effet miroir parce que clairement c'est un fail pour moi. Mais en même temps, je pouvais à peine passer derrière mon bureau pour. Voilà. Donc j'étais un peu cassée en deux pour le mettre et ça a été problématique. Donc celui-ci, je vais peut-être laisser Doudou le faire dans la chambre de la petite. Et puis Liam, il n'y en aura pas parce que ça sert à rien. Il y a le balcon et il y a du brise-vue sur le. Enfin, la partie du balcon est vitrée opaque. Donc voilà. Donc voilà. Ça sera pour Jadou celui-ci. Et si vraiment il en reste assez, eh ben, peut-être que j'enlèverai mon effet miroir dégueulasse et. Faudra qu'on repousse bien, bien, bien le bureau et voilà pour pouvoir accéder à la fenêtre et en mettre aussi sur la mienne du coup. Parce que là, j'ai fait vraiment fait un truc dégueulasse. Même de l'extérieur, c'est dégueulasse. Voilà. Mais bon. Ah! Comme ça, je peux m'asseoir tranquillement sans que personne ne voie mes jambes ou ce qui se passe. Voilà. Vous avez compris. j'ai repris. C'est pas tout le temps qu'il y en a. Les Crunchy Cluster Milk Chocolate XL Pack. Donc j'en ai pris deux paquets parce que je sais que ça va partir vite. Mais voilà, je sais qu'ils les aiment bien. Donc quand il y en a, bah, j'en prends. Et voilà, là il y en avait. Donc là. Une page, ça va me dire ce soir, t'as vu chérie? J'ai pensé à toi. Ah. Sinon, j'ai repris un nettoyant pour les toilettes. Ouais, voilà. Parce que bah c'est le moins cher. Je sais qu'il est à 90 centimes aidé à Inter, mais voilà, celui-ci, il est à 89 centimes. D'accord. Voilà, pour ce qu'il a à faire, c'est très bien. Ensuite, je me suis pris une mousse nettoyante. Je pense que c'est une mousse. Coconut Water. Voilà, j'avais commencé à en prendre une autre, mais j'ai regardé sur Yuka et c'était mal noté. Du coup, j'ai pris celle-ci et elle est bien notée sur Yuka. Donc, je l'ai pris parce que là, j'ai plus de nettoyant pour le visage. J'aimerais bien voilà, renettoyer un petit peu le visage quand je suis sous la douche. Voilà, parce qu'il y a quelques fois, j'ai des petites imperfections quand même. Ça m'arrive. Pas souvent, mais. Ensuite, bah, j'ai pris des Kit-Kat. Non, Kit. C'est Kit Kat, pas Kit et Kat. Kit et Kat, c'est pour les chats. Hein. Ouais, hein, j'ai fait la bourde là. Alors que je l'ai fait la blague là. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si je l'ai sorti le haut l'action de la dernière fois. Bref, Kit Kat. Parce que j'ai oublié d'en prendre hier encore. Voilà. Sinon, je les ai enfin trouvés. Les mousses embellissantes. Embellissement, je ne sais pas trop. Voilà, je les ai enfin trouvés. Enfin, il les avait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 teintes. Je pense qu'il n'y en a que 6. C'est dommage, il n'y a pas de bleu, pas de vert. Je trouve ça dommage, mais moi, j'ai un bleu de chez Nouveau. Ça fait un moment, d'ailleurs. Je sais pas si ça a séché ou ça m'a l'air sec. Hein. Je reteste, on va voir ça. Et je sais plus comment le re...
humidifier correctement, je sais plus trop, il faudrait que je regarde si je trouve des tutos pour ça. Bref, donc il y avait la teinte violette. Studio Mao, d'accord. Studio Mao. Qu'est-ce qu'ils mettent? Mousse d'embellissement, c'est tout. Ok. On se démerde avec ça. Donc là, c'est la noire. On a la grise silver. La blanche nacrée. Je pense qu'elle est un peu nacrée. On a la dorée. Et la rose. Donc oui, on voit un petit peu de nacre quand même à l'intérieur. Ouais, dans toutes. Ouais. Donc à tester. Voilà, ça en fond avec un pochoir. Voilà. Essayer de ranger au fur et à mesure, mais est-ce que j'ai assez de place là-dedans pour ça? Ça va d'aller. Voilà ce que j'ai pris à Action. Et content de les avoir trouvées, ces petites mousses. Parce que j'en avais mis pas mal dans ma wishlist de la marque Nouveau sur Amazon, mais bon, c'est pas. Je sais plus trop combien c'est. Elles sont à 99 centimes pièce, les mousses. Sinon, oui, le nettoyant WC à 89 centimes. Le film 2,99. Les chocos machin là, pour doudou 3,49 €. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais pris. Et la mousse nettoyante 1,99. Voilà. Youpi! Ah, j'ai laissé ma poubelle à la cuisine. Quelle quiche. Et sinon, je suis allée en ville ce matin pour récupérer ma nouvelle carte bleue. Donc j'ai été faire un petit tour à Normal. Voilà. Je voulais trouver. C'était quoi? C'était de l'eau de romarin. J'ai pas trouvé. J'ai pris autre chose. C'est bien. Alors j'ai pris la fameuse Scrub Daddy. Voilà, parce que je voulais la tester, donc voilà, j'en ai pris une. Ils l'ont en différents formats, hein. Il n'y a pas que celle-ci, ils en ont d'autres hein, de marque là. En ce moment, parce que j'ai l'impression que ça doit quand même pas mal bouger. J'ai pris un polissoir parce que j'ai pas retrouvé le mien. Mais il m'a l'air tout mou, c'est chelou. Que ça gratte pas mal? Je sais pas. Je me suis repris un truc pour les lèvres parce que j'en ai un qui est bientôt fini. Voilà. Ça. Je me suis pris ceci parce que bah, quand j'ai commandé sur Ali, il est arrivé complètement défoncé. Je suis deg parce que bah, je voulais un arc-en-ciel. Hein, voilà. Parce que voilà. Je suis une licorne. Hein. Donc, j'en voulais un violet ou enfin j'en voulais un de couleur, mais bon, tant pis. Voilà. J'ai pris, c'était pas cher. Par contre, j'ai pas de ticket de caisse du coup. Je ne peux pas vous donner les prix. Je me suis pris ça. Puis ça devait être 2,50 €. Parce que bah, j'aime quand même bien grignoter le soir. Donc voilà. Donc ça va pas faire long feu. Et je me suis pris un coupe-cuticule. Parce que moi j'ai la version. Where is my version? J'ai la version coupante comme ça. Là. Pour, donc je voulais avec le ciseau. Je sais pas si... Voilà, c'est ça. Il y a des fois je me fais plus mal que avec ça. J'ai pris aussi un scalp brush, voilà, une brosse à cuir chevelu, donc pour essayer de me, voilà, pour bien faire mes soins et tout. Et je me suis pris une petite crème pour les yeux, parce que ça fait un moment que j'en utilise plus. Puis bon, bah, on se vieillit quand même. Donc voilà. Sinon, j'ai été à Martel, enfin à la boutique Q, ça doit être Dalb. Je sais pas trop si c'est Dalb ou. Enfin, ils vendent des produits Dalb, donc c'est peut-être Dalb. Enfin, je sais pas. En haut de Martel, à Amiens. Je me suis pris des spatules. J'ai cherché, 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 je trouvais pas, je me fais mince, elles sont où? Elles étaient cachées dans un coin. Donc j'ai pris des petites spatules, donc là en plastique, je me dis pour nettoyer, ça sera bien pratique. Pour étaler justement les pâtes là. C'est des pâtes, des crèmes? Enfin bref, les trucs que j'ai pris à Action quoi. Donc là, je me suis pris ce lot de 5, c'était à 2,50 € je crois. Et je me suis pris un. Je m'acharne quand même avec. Voilà. Donc liquide de masquage, mais en version plus petit, parce que je l'ai en gros format. Voilà.
Je l'ai en 4 mm. Et là, je l'ai en 2 mm. Voilà. Donc voilà, mes petits achats du matin. Celui-là, faudrait que je pense à le remettre dans mon sac pour être pratique, celui-là. Hop là. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, live, je serai en duo avec Taz. On m'a dit qu'elle était dispo, donc c'est cool. Mais je sais pas du tout ce que je vais faire. Ça, c'est le truc. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de poubelle. Je me suis fait mon petit café, j'ai une machine qui tourne. Il doit être déjà pas mal de. Pas presque midi, je pense. Voilà. Il est 11h59. Je le pif, hein. Aujourd'hui, point météo, il fait tout gris. Voilà. Ça va être comme ça toute la journée. Alternance. Grisaille, pluie, voilà, on n'aura pas de soleil aujourd'hui, désolé, habillez-vous, prenez un parapluie. Voilà. Donc non, je sais pas ce que je vais faire en live du tout, en fait. Je ne sais pas. On va peut-être faire une roulette. Je vais choisir peut-être un colo que j'ai dans ma pack, mais ma pack n'étant pas encore sortie, elle arrive dimanche normalement. Je crois que je l'ai planifiée à dimanche, me semble-t-il. Il y a plein de vidéos cette semaine, enfin la semaine dernière, vous avez eu plein de vidéos. Parce que je pense que ça, ce vlog-là arrivera la semaine prochaine, je pense. Mais j'ai beaucoup de montage encore à faire. Et je vais encore filmer là, je pense, avant d'aller manger. Je pense que je vais filmer une ou deux petites vidéos de présentation parce que je suis encore loin d'être à jour. Et pourquoi pas faire une petite vidéo pourquoi j'ai craqué? Parce que ça fait un moment que vous n'en avez pas eu. Et voilà, il faut que je me justifie quand même. Ah, surtout ces craquages, voilà. Mais là, ouais, non, je sais pas ce que je vais faire si je fais un pochoir avec. Avec du stylo gel hybride, peut-être, ça peut être bien sur le noir. Mais quel pochoir? Après, je ne sais pas. Déjà que je retrouve où sont mes pochoirs. C'est bien aussi ça. Mais là, franchement, à l'instant T, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Franchement, je ne sais pas. C'est comme ma pochette de colo terminée. Où est-elle? Je n'en sais rien. Ah, ce sont les deux là, tu vois. Vous voyez? Ah. Je ne sais pas ce que je pourrais faire derrière. Des petits cœurs. Ah, ça va monter. Des petits cœurs. J'avais utilisé celui-ci la dernière fois. Non, c'est les tout petits que j'avais utilisé. Je crois que tu utilisais ceux-là. Pour la Saint-Valentin. C'est bien le tour. Je pourrais en faire quelques-uns quelque part. Hein. Quelques-uns quelque part. Je sais pas si. Faut que je vide mon eau aussi pour tantôt parce que j'ai utilisé le gesso. Mais ouais, peut-être avec. Mais. C'est ça aussi que j'ai vu. Je vais pas finir une phrase, hein. Je suis désolée. Hein. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis. Du coup, j'ai vu des jelly, des sacs, des jelly rolls Sakura à d'Alpes, enfin à Martel. Et ça s'appelait des. Ah bah ça y est, super. Ah bah super, je m'en souviens plus. Mercredi, c'était quoi? Ah, comment une sensation un peu chelou. Mercredi. Je trouve plus le mot. Je vais chercher. Mais il me semblait pas les avoir vus, ceux-ci.
Je ne les ai pas vus sur Amazon et je sais pas ce qu'ils donnent en résultat, mais là 2,30 € ou 2,50 € le crayon, tu repasseras un merci. Mais Jelly Roll Sakura, est-ce que je peux voir la totalité de ce que vous faites eBay, non. Et vous avez un site ou pas Non, c'est pas cela. Amazon, Culpent. C'est pas les. Ah, je sais plus. Pour les Moonlight. Jelly Roll Royal, c'est quoi? Si je vais sur image. C'est pas les poudrés. C'est comment ça s'appelait? C'est pas les Moon, non. Stardust, non. Les métalliques, je les ai du coup. Oui, j'ai les métalliques. Ah, mais c'est lesquels? Ben, il manque des métalliques. Il y a un autre set aussi, je crois. Il manque ça. Et du coup, celui-là. Mercredi. Mercredi. Ils sont. Mais, ah, c'est ça. C'est quoi ça? Non, ça, c'est des. Tu vois pas de toute façon la photo. Ah! Glaze. Ils peuvent pas avoir un site comme tout le monde. Frost. Non, c'est pas Frosted. Non, c'était quoi? Bah zut. Et les bouchons, ils étaient. Ils étaient pas. Il n'y avait pas de paillettes, rien dessus. Bah merde alors. Pardon, mercredi. C'est pas Moonlight, c'est pas métallique. Stardust, toujours pas. Mais il montre que cela, c'est chelou. Mais oui, j'en ai vu une autre sorte. C'est quoi ça? Soufflé. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier ceux-ci? Bah, je sais pas trop. C'est des couleurs pastel? On en a déjà, non? Dans les. Oh, c'est fluo. C'est plus fluo que pastel. Ça, c'est quoi les Moonlight? Il manque quelques teintes de Moonlight. Et c'est vraiment des Jelly Roll. Enfin, les stylos gel que je préfère, les Sakura, franchement, je les trouve bien. Mais ouais, les soufflés, du coup, c'est la première fois que je les voyais. Je vais regarder si je les vois sur Amazon, mais je pense pas. Jelly Roll Sakura Soufflé. Ah, si. Si, ils ont. 29,39 € pour Diptyque 10 stylos. Hein. Mais ouais, donc, ouais, c'est des couleurs quand même assez flash. Imperméable à l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qui offre encre 3D et brillante. De couleur éclatante. Brillante. Mais ouais, c'est soufflé. Il y a un petit smiley sur le truc. Elles sont trop mimes, ces stylos. Donc écoutez, on va mettre dans la wish et puis on verra bien si dans quelques jours. Enfin, dans quelques temps, je les prends ou pas. Je regarde sur Ali s'il n'y a pas possibilité de les avoir en moins cher. Oui, il me manque un pack de Moonlight, là. Les gris, noir, teinte foncée, j'ai pas ça. Mais pareil, 27,40 le pack. Sympathique. Mais oui, je sais pas si sur Ali. Parce que je sais que j'en avais déjà acheté des. Les Stardust, c'est sur Ali que je les avais achetés. J'ai Roll Sakura Soufflé. Je sais pas si. Est-ce que c'est celui-là? Ah, il est vendu à l'unité là. 3,46 €. Et c'est pas des soufflés, ça. C'est des métalliques. Monsieur. J'ai écrit soufflé, moi. Ok? Alors, respectez-moi. Ça, c'est quoi? Glaze. Mais c'est quoi encore ça, les glazes?
Ah là, il y en a plein de sortes. Alors, là, on a quoi? L'église, justement. Et qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? 3D roller. 3D. Donc, ils font une épaisseur, ceux-ci. Il y a écrit quoi dessus? Aqualip. Côté. Et ils sont à combien? 17,36 €. Les. On a combien par paquet là? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, je compte 9. C'est bizarre, non? On a des paquets de 9. Non, 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 il y en a 10. Ah ouais, ils vendent les soufflés aussi. Je les ai vus. Ah ouais, ils ont les soufflés à 17,36 €, vous voyez. J'ai fait une commande hier, donc hein, ça attendra plus tard. Mais voilà. Je mets dans mon panier les petits soufflés, là, ils sont mignons, ces petites couleurs pastel et tout. Et il y a un blanc dedans. Du coup, l'église, on a dit que c'était du 3D. Il y a 10 couleurs à voir aussi. Je vais mettre. Voilà. Alors, ça, c'est les régulars. Mais c'est ouf, il y a tant de. Donc, ça, c'est les couleurs basiques, en fait. Bah, quand même un rose, un jaune, un orange. Hein. Un violet. Un marron. Basique. Métallique, je les ai. Moonlight and White. Ouais, ils donnent le 10, le 8, le 5. Ouais, les Moonlight, ils sont pas mal. Ça, c'est les Stardust. Moi, je les aime beaucoup. C'est quoi ça? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ces crayons? Le crayon a l'air. Mais il n'y a pas la photo de cela. S'il vous plaît. Ça, c'est des rôles basiques. 3D. Moonlight. Là, j'en ai vu. Ils sont. On dirait des licornes. Voilà quoi. Est-ce que je peux zoomer là? Non, je peux pas zoomer. Est-ce que je peux avoir des détails, s'il vous plaît? Ça m'intéresse, moi. C'est quoi ces crayons? Là, ils sont pas sur la petite photo. Je vais voir plus, s'il vous plaît. Ça, c'est les soufflés. Aqualip. Ça, c'est l'église. Moi, je veux un partenariat, s'il vous plaît. Jelly Roll Sakura. Me. I'm ready. Ouais, métalliques sont cool aussi. Maintenant, il n'y a pas de. Je voudrais savoir ce que ça donne. C'est quoi cela? Qu'elle a pris 5 couleurs pastel. Je souhaite qu'ils étaient super mal, mais ils sont beaux. Elle a pris lesquelles? Des glaises. Bah oui, les glaises, c'est des basiques. C'était écrit que c'était des basiques. Faut lire maintenant. Moi, je veux voir les. C'est qui? Hello. On arrive. Je te. Mais oui, ils ont l'air. Voilà. Du coup, les glaises, je les ai quand même mis dans ma wish au cas où. Bah oui. Je pense que de toute façon, je finirai par tous les avoir, je pense. Parce que la collectionnite, bonjour. Hein. Donc les soufflés et Aqualip, là, je comprends pas trop ce que c'est la Aqualip. Mais ce pack-là, avec les. Bah, là, je le vois pas. Mais il a l'air. Mais oui, je peux pas zoomer. Pourquoi je peux pas zoomer? Ils ont l'air trop beaux. Je sais pas si c'est des Gold Shadow, Silver Shadow. Ils sont soit un effet doré, soit un effet silver. Ouais. Ajoute au panier. Y a possibilité d'avoir une réduction quand tu achètes plusieurs trucs chez toi. C'est quoi? Régulière color? Oh, régulière, elles sont quand même jolies tes couleurs là, monsieur. Franchement, ils sont beaux ces crayons. Il y a des gris là dans les Moonlight. Eh, joli, hein. Franchement, vous voyez pas. Je vous dis, ils sont jolis. Donc, ouais, les glaze. Donc, ça serait du 3D. Donc, ça pourrait être. Ça tiendrait à l'eau. Et je pense que ça passerait peut-être bien sur le Prisma, peut-être. Il y en a certains, il y a des fois, c'est compliqué de repasser sur du Prisma. Mais. Et là, franchement, les prix, ça donne quoi? Ouais, 17,36 € le pack de 10. Franchement, c'est correct. Hein. Comparé à ce que tu peux voir quand tu veux les acheter
Boutique d'art, franchement. Ils sont trop mignons. J'aime beaucoup les Gilles Leroy. Voilà. C'est dit. Les signaux, j'y arrive pas. Ça, c'est l'église. C'est bien, je fais de belles découvertes ce matin. C'est cool. Non. Allez, sors de ce site. Le mal. C'est le mal. Donc oui, je sais pas si je vous ai dit quel jour on était. Je vous ai fait le point météo, mais donc nous sommes mardi. Oui, mardi 23. Demain c'est mercredi. J'ai repris rendez-vous au coiffeur pour chez le coiffeur pour Jade. On verra bien. Si on y arrive un jour, si elle se laisse. Elle se laisse faire aussi. Je pense bien que le shampoing. Liam, il veut toujours pas. Hein, donc, je m'attends pas à ce que Jade veuille. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les Stardust, justement? On va faire des petits cœurs de toutes les couleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Ma machine est peut-être bientôt finie. Vous allez entendre. C'est la fête. Donc, coiffeur demain. Liam était censé avoir entraînement demain matin. Mais voilà, vu que ça va tomber sur l'horaire du coiffeur et que je ne sais pas si elles vont être en avance, en retard, machin, je ne préfère pas emmener Liam. Ah, vous voyez pas du coup. Je pense que je vais pas mettre que du Stardust, je vais mettre aussi des Moonlight, parce que je pense que les couleurs comme ça pourrait peut-être. Couleur néon comme ça sur le noir, il y a peut-être moyen que ça rende quelque chose. Pensez-vous? Regardez ce petit rose fluo. On va tester. Il faut peut-être que je vous ravance un peu, non? Qu'en pensez-vous? Alors, on va essayer de ne pas repasser dans le truc qui n'est pas sec, ça serait bien. Mais oui, ça passe. Donc ça, c'est les Moonlight. Flashy, flash. Orange. Ça penche, hein. Il a du mal sur le geste noir. Voilà. Toujours avoir un petit torchon à côté de soi. Et ça repart. Hop là. C'est un beauvage, un beauvage, un beauvage dégueulasse. Je remettrai du noir dessus. C'est pas grave. Hop là. Est-ce des autres couleurs? On va mettre peut-être un peu de Pentel hybride aussi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on quoi on va partir? Niveau teinte.
Pareil, Martel, c'était tout vide, du coup les Pentelibrides, ils ont dû se faire dévaliser pour Noël, je sais pas, mais toujours, toujours vide. J'ai même pas pu en piquer un, hein. Pardon. Non. Il y avait les Milky, mais les Milky m'intéressent vraiment pas. C'est chouli. C'est chouli. C'est chouli. Ils sont tous à l'envers là-dessus. Moi, si je mettais peut-être comme ça, ça peut pas le cas. N'est-ce pas? Non, c'est juste une question de. Pentélibride, ma vie. Et vraiment, j'ai des stylos jaunes à vous conseiller. C'est vraiment, voilà. Jelly Roll Sakura et Pentélibride. Franchement, là, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Et de la bombe. De la bombe. C'est vraiment des crayons que je vais vider et racheter. Ça, c'est. Ça, c'est clair et net. Et précis. Petit rose, mais fait rose vers celui-là. Prendre le King Light, ah, j'ai pris quoi? On met du violet, hein, parce que le violet, c'est la vie. Ah là là, je suis une artiste. Je reviens dans quel sens? Comme ça. Pochoir action, hein, si jamais. Je sais pas s'ils en ont en ce moment. Je fais pas forcément attention vu que j'en recherche pas. Donc, mais. Voilà. Mais je sais qu'ils en renouvellent tous les ans, ils en font, donc n'attendez pas. Enfin si, attendez. N'attendez pas. Si, attendez. Attendez qu'ils en ressortent une collection. Ah, on va peut-être essayer les métalliques, tiens, aussi. Du coup, les métalliques sont pas dans la même bannette. Alors, on a une petite rose. C'est bon, ça. On va voir. Je fais des rushs beaucoup trop longs, on est d'accord? Madame a des problèmes. Métallique. C'est bio. Mmh.
J'ai entendu une nouvelle chanson de Maneskin à la radio ce matin. Faut que je la trouve et que je la rajoute sur la playlist du stream. Parce que moi j'aime Maneskin. Voilà comment habiller vos fonds. Facilement. Je sais pas ce que j'ai dans la tête. Je ne sais pas. Je... Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi d'arrêter les vaccins aussi. Je sais pas pourquoi je fais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas un bleu? Est-il est devant toi, meuf? C'est souvent sous nos yeux, hein, quand même. Je ne veux pas dire, mais. Voilà. Souvent qu'on nous regarde pas au bon endroit, oui. Un petit bleu métallique. Voilà. Je pense que c'est bon. On va peut-être arrêter parce qu'après il y en aura trop. Hein? Pas que ça soit tout moche, ceci, quand même. Hein? On va se calmer. Qu'en pensez-vous? Il va falloir que je range mes crayons de nouveau. J'ai utilisé une feuille. Je sais pas si le gesso va partir correctement là-dessus. Après, tu me diras, c'est peut-être pas une idée si con que ça d'utiliser ça pour faire le gesso parce que voilà, tu grattes après, hop, et ta feuille, elle est nickel. Eh ouais, franchement, ça peut être pas mal. N'est-il pas? Voilà. Astuce. La chiotte astuce de Val. Voilà. Utilisez des feuilles de plastifieuse en dessous de vos colos quand vous faites du gesso. Comme ça, vous pouvez gratter et après, hop, disparition. Oh là là, je balaye. Je sais pas où je balaye, mais je balaye quelque part là. Mon Dieu. Ça ne va plus du tout. Plus du tout, du tout, du tout, du tout. Mon café va être froid. Où c'est que je l'ai mis? Je l'ai pris celui-là. Faudrait que j'essaye un de ces quatre faire un fond. Il était dans un endroit où c'est qu'il y en avait déjà un. Hein, je pense. Écoutez, écoutez, voilà, optimisation de la place. Voilà, j'ai toujours pas fait mon envoi à Tasnia-Surette, j'y pense. Mon dessous de main, mon dessous de main, mon dessous de main est décollant. Il va falloir que je le mette à laver et que je mette un autre. Donc voilà, je suis contente. Un colo de plus de fait. Je vais peut-être refaire un petit peu les poils, parce que du coup j'ai passé le gesso. Le gel hydro blanc, bien sûr, le gel hydro blanc 10. Le 10, hein, parce que le 5 et le 8, surtout le 5, du caca. Désolée, gel hydro, mais c'est vrai. Voilà. Non, c'est plus Sakura, la marque. Désolée, mais franchement, voilà. Le 5, j'arrive pas à l'utiliser, moi perso, je sais pas vous, mais moi j'y arrive pas.
La mine est beaucoup trop petite pour ne pas s'engorger. Hop. Ce sont ceux des plumes. Un micro. Ah bah voilà. Je sais pas. Hein? Voilà. Je suis pas professionnel d'être professionnel. Je fais ça pour le plaisir et la détente. D'accord? Alors, voilà. Très beau mouche titoulé. Elle, un peu moins. Hein. Laisse le cacher. Il y a du boulot là. Hein. Voilà. Elle beau gosse. Ça c'est fait. J'aime beaucoup. Ah, je suis très contente. Voilà. C'est plus joli que ce que ça aurait dû être. Voilà. C'est cool. On va peut-être pas le fermer parce que les stylos sont pas encore secs. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai, je sais pas, peut-être ce soir ou demain. Je ne sais pas. Demain, le mercredi, ça reste flou pour moi. Pas trop ce qui va résulter de ma journée. Je sais pas quelle sauce je vais te manger, donc il faut que je boive mon café. Et déjà midi et demi. Eh ben dis donc. Donc moi je vais vous laisser ici et bah, je vous dis à tout de suite pour vous dans longtemps pour moi. On est jeudi 25 janvier. Hier soir, j'ai attaqué ce call aussi pendant le live de d'Isiac. Voilà, donc c'est un duo que je dois faire avec Taz. Donc c'est Neoma. C'est dans le Fairy Fantasy 4, mais vous l'avez aussi dans le Wallflower. Je suis vachement blanche du coup là. Si je change de ton, c'est pas ouf. Si je la coupe. Ah ouais, mais en fait, ça vient de l'extérieur. Donc je peux pas faire grand chose. Voilà. Donc c'est pas celle-ci en fait. Pourtant, bah il fait tout gris aujourd'hui. Hein, donc je vois pas pourquoi j'ai une luminosité aussi intense. Donc j'ai décidé de le faire dans celui-ci, comme ça me permet de l'entamer. Mais il est aussi dans le Wallflower Polk. Voilà, de Christine Caron. Et ouais, pour changer, j'ai pas utilisé le même combo que d'habitude pour la peau. Je vais faire autre chose. Voilà. Donc là, je suis sur les cheveux. Je viens de rentrer, je suis allée faire ma contre-visite. Et vu que c'était que du visuel, bah j'ai pas payé, bah c'est cool. Alors, un petit jus de fruits, ça fait du bien. Ça fait longtemps. Donc je vais continuer ça tranquillement là ce matin. Je vérifie ce que je peux mettre en ligne parce que j'ai encore la winter que je vous ai pas mis, c'est la vidéo qui viendra dimanche et je vais vous remettre des vlogs en attendant aussi et peut-être filmer une ou deux petites présentations aussi, enfin essayer de refilmer un peu ce matin pour que vous ayez que j'ai du contenu en continu en fait. Ah, puis parce que je suis toujours pas à jour dans mes présentations, qu'on se le dise hein. J'ai plus d'une centaine de livres, je suis à oui. Oui. Mais oui. Donc voilà, niveau présentation, c'est pas ouf là. Je suis vraiment pas à jour. Donc, et j'aimerais bien ouais, un jour que ce soit le cas en fait. Voilà, que j'ai juste à rajouter. Dès que je reçois un bouquin, hop, je fais la petite présentation. Et hop, ma collection présentation de livres est opérationnelle sur YouTube. Comme ça, je sais où j'en suis. Voilà. Incroyable. Et cet après-midi live, donc je continuerai ce colo. Par contre, il faut que je regarde un petit peu des fonds de nuit avec des lunes, tout ça, parce que je ne sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Parce que je veux quand même que ça fasse un halo lumineux, je pense. Donc, à voir. Mais du coup, parce que la lune, elle est là. Mais là, elle repasse derrière après. What the fuck? Là, elle est devant. Et à quel moment... Je sais pas si vous voyez. Là, c'est pas censé être la lune, là. C'est censé être son haut. C'est son top.
Je sais pas. Il va falloir que je regarde déjà des colos qui ont déjà été faits, voir ce que ça donne. Parce que là, je ne. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, vous voyez pas tous les yeux. Voilà. Ouais, quand même. Bon. Et mes cupés, hein. Ouais. sinon, je suis contente, j'ai avancé un peu aussi dans Grisha. Je suis à 64%. Ouais, un jour je le finirai et je pourrai enfin regarder la saison 2. Mais je pense que je vais me refaire la saison 1 avant parce que j'ai pas trop de souvenirs en fait. Donc, ça aussi, il faudrait que j'avance. J'irai peut-être sur un live, je sais pas quand. Un live lecture. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un en live ce matin et puis continuer ce petit colo tout en essayant de faire un petit peu de montage. Enfin voilà. Shiva, c'est moi. J'ai quatre bras. Je fais je ne sais pas combien de trucs en même temps. C'est moi. Optimisation, optimisation. Sinon, depression. Voilà. je vous reprendrai peut-être plus tard. Voilà, pour que vous voyez un petit peu l'avancée. Et voilà. J'espère que vous, ça va. Vous avez peut-être vous du soleil. Mais bon, on va pas se plaindre. Il fait bon. Hein? Des bisous. Bonjour tout le monde. Enfin, re. Bah, j'ai la tête dans le. Bien profond. Jade, c'était pas ouf cette nuit. Hein, voilà. Donc, je suis un peu. Un peu KO. Un petit peu. Hier soir, j'ai fait mon fond. C'est le colo que j'ai fait en live hier. Mais comment vous dire, le papier. Vous voyez les trucs là? Vous voyez? Il m'a fait des pixels partout. Là, il m'a sorti des pixels là, là. Autour de son prénom, ça m'a fait un encart là. Là, c'est un peu pareil autour du. Oh, chelou, le papier, mais vraiment chelou à mort. Mais ouais, ça m'a fait des petits points pixelisés. Voilà, j'ai des petits. Voilà. Magnifique. Donc, ouais, l'impression. Et là, ça fait net. Vous voyez la coupure nette là? C'est. Chelou! Mais bon. Chaud. Donc je pense que je vais rajouter des petits effets dorés, tout ça. Là aussi, ça fait net. Repixel. Oh là là. Chelou, chelou, chelou. Ah bah ma caméra a déjà décidé de me dire. Hein? Mais c'est ouf! Je viens juste de la. Non mais. Ça va aller C'est dingue! Il me fait pas respecter. Il va falloir que je réessaye de réinstaller tout ça encore une fois. Mais bon, c'est compliqué parce que vu que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai deux Logitech. Bilan, bah, quand je fais l'installation, bah, il y en a une des deux qui foire. C'est génial, on adore. Bref, moi je vais rajouter des petits trucs. Enfin, je vais essayer de cacher la misère avec des taches d'or. Je pense. Moi, j'ai envie de mettre des taches d'or, je sais pas. J'ai pas envie de mettre des étoiles blanches ou. J'ai envie de mettre du doré. J'attends que Taz lance son live. Elle a dit qu'elle en faisait un ce matin, mais je la vois toujours pas. Il est déjà 10h16. Je sais pas. Cet après-midi, je sais pas. Je pense que je vais faire. On fera une roulette cet après-midi, je pense. Parce que je sais pas dans quoi aller. J'ai fait une tâche là. Ce matin, c'est compliqué. Je commençais à faire couler l'eau de ma vaisselle, mon téléphone qui tombe dans le bac. Pas bien. Qu'est-ce qu'il y avait là? T'as eu des bonbons? Et arrête avec cette porte! Va pas derrière! J'aime pas t'entendre gratter au mur. Alors, s'il te plaît, tu veux pas te remettre à ta place? Hier, elle a passé la journée, mais la journée complète sur mon lit. Elle a pas bougé. Hein? Bah oui, tu causes.
Tu causes. Les chats ours? Miaou. Le siège, tu sais que j'aime pas trop que tu montes dessus. Hier soir, t'as tenté une approche. Mais voilà, tu sais que je suis pas. Non. Non, je... non, non, non. J'allais t'appeler Jade. Oh là là. Manque de sommeil, c'est terrible, hein. Oh non. Où tu vas? Où tu vas? Je veux pas que tu fasses d'accroc sur mon siège avec tes griffes si bien acérées. Hein? Au secours. Sinon, quoi de prévu ce week-end? Eh bah, le plateau, Liam n'ira pas parce que bah ça perpète les ouillettes et puis ça va. Hein, hein, c'est relou. Donc non, j'ai dit non, parce que c'est pas à côté. Voilà. L'essence est chère. Regardez là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et les griffes, je veux pas entendre les griffes. Et t'as vénère, mais moi aussi je peux me vénère. Vous voyez pas son cul. Elle. Ah, les griffes! Mon Dieu. Je vais mettre de la lavande sur mon siège, tu vas voir. On fout des répulsifs. Pas d'odorat, je sais pas. Oh, c'est chaud. Taz, qu'est-ce que tu fais? Où t'es là? Encore avec Henri, là? Mon aspirateur. Non, pas de foot. Je sais pas ce qu'on va faire ce week-end. Ça va être un week-end. Ah, faudrait qu'on aille chez papy et mamie quand même. Faudrait que je récupère le gonfleur parce qu'il y a le copain de Liam qui va venir le week-end prochain à la maison. Parce qu'il va bientôt déménager, donc voilà. Chaque fois qu'il se fait un copain, il déménage. Il a vraiment pas de chance pour ça, lui. Ça lui est arrivé en maternelle et là, pomme, allez. Son copain qu'il a depuis. Et ben ils sont enfin bientôt. Donc voilà, on peut venir à la maison avant qu'ils s'en aillent. Il m'a dit. Ah mais après j'aimerais bien aussi que Marie vienne. Ah mais il y a Enzo et Noah, ils veulent venir aussi. Ah oui, ça va aller. On va se calmer, hein. Maman, elle aime bien être tranquille le week-end. J'aimerais bien que le beau temps revienne aussi. Aujourd'hui, c'est pas ouf. Voilà. Enfin, le ciel essaye de se dégager, mais c'est pas. Voilà, le point météo, il vous le fallait. Hein. Après, vous allez me le quémander dans les commentaires. Donc, faut vraiment que je nettoie mes lunettes aussi. Elles sont dégueulasses. Mais vraiment. Je voudrais que je me fasse une tête avant le live. Si j'ai la foi. Aujourd'hui, ça va être compliqué, je pense. Je pense que ce soir, je vais peut-être aller au lito. Ah, quoique, il y a Kael qui sera sûrement en live, on est vendredi. Donc, peut-être que. Je sais pas. Mais est-ce que j'aurai la foi de faire quelque chose? Il y a des fois, je suis devant les lives et je suis là, mais je. Je suis là sans être là. Est-ce que vous m'entendez, au fait? Oui, c'est bon. Je me souvenais plus si j'avais. Si j'ai allumé le micro ou pas. Donc ouais, je vais me faire des petites taches dorées là. Je sais pas laquelle encre je vais prendre. Sais pas quand c'est les prochains encombrants. Enfin, je le regarde, mais on va avoir une tonne de trucs à mettre. Vu qu'ils m'ont pas repris mon fauteuil là, ça m'en fait deux. Il y a plein de trucs. C'est bon, ici. Je cherche de l'or. Est-ce que je prends la Winsor & Newton? Je prends la BBO. Est-ce que je prends celle-ci? Non, pas du cuivre. C'est vrai que le cuivre, je l'utilise jamais. L'argenté est beaucoup moins aussi. Qu'est-ce que je prends? La gold antique. Oula. Je prends celle-ci. Que okay, celle-ci se fait peut-être un peu plus. Parce que là, l'essor est Newton. Celle-là.
Mais vraiment là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait. Vous voyez comment les dissocier là? Je sais pas laquelle je vais prendre. Prends celle-là, je pense. Peut-être en fait. Je sais pas pourquoi je garde les cartes, les petits cartons. Je sais pas. Je ne sais pas. Et toi, je te range aussi. Les tiroirs. Il faut que je fasse les envois aussi pour Vétaz. Hein. Il faut vraiment que je le fasse. Je me le note quelque part et que la semaine prochaine, je le fasse. Oui, mais tombez pas, mesdames. Hop là. Alors, ils m'ont dit, oui, faut frotter avec les doigts. Et après, vous prenez votre petit. Au fond de son petit drink, là. Bref, tuto ce matin sur le nettoyage de lunettes. Alors, je pense que je vais couper ça au montage, hein. C'est pas possible. Non, ce matin, franchement, je pense que ouais, je vais finir ça. Et après, je me lance dans pas. Je me. Peut-être. Si vraiment je l'ai fini et que j'ai du temps avant le live, machin, j'irai peut-être dans l'Atlantide pour l'avancer un peu. Mais voilà. Je vais pas recommencer un colo s'il faut que on fasse. Si quelqu'un fait une roulette. Voilà. Je suis vraiment plus de la team avec je ne sais combien de colos entamés, en fait. Non, c'est vraiment plus. C'est vraiment plus mon truc d'avoir je sais pas combien de colos en cours. Est-ce que c'est mieux? Ouf. Ouch! J'ai pas laissé les doigts. Faut que je range mes crayons aussi parce que j'ai mes crayons d'hier de sortie. Je vais mettre là-dedans. Ça fera un minimum rangé. Hop. Normalement, d'ici la semaine prochaine, j'aurai reçu ma commande Temu. Celle d'AliExpress, par contre, je pense que ce sera plus long. Clairement. On va pas se mentir, niveau livraison, ils sont loin, 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 loin. J'espère que cette fois-ci, je vais recevoir mes aquarelles. Parce que là, ça va chier. Voilà, alors là. Crois un truc dans l'œil. Du coup, je comprends pas. Ce matin, j'avais pas mis mon réveil plus tôt et tout, alors que j'aurais dû parce que bah, Doudou part plus tôt, il fait des heures encore. Il en fait le mercredi et le vendredi. Puis là, bah, j'étais toute seule pour m'occuper d'eux ce matin. Donc fallait que je les lève, le petit déj, machin. Enfin, ils se débrouillent quand même. Franchement. J'ai pas à me plaindre. Mais alors que quand. Doudou est là, les prépare, enfin, quand ils prennent le petit déj avec papa, machin, c'est lui qui les lève, que moi j'ai juste ma douche à prendre, puis après je m'occupe d'eux. Et bah, on s'en va, on est limite en retard, enfin voilà, la cour est déjà ouverte, machin, pour Liam. L'école de jet, ça ouvre qu'à 8h30, mais Liam, lui, c'est 8h20. Et du coup, on arrive juste, enfin, je suis pas en retard. Je suis pas de celle qui. Je suis pas de la team, celle qui arrive après. Non. J'aime pas être en retard. Mais j'aime bien être à l'heure, quoi. Ça vient d'ouvrir, quoi. Bah, aujourd'hui, ça a été nickel. Liam, on est arrivé. Ça venait d'ouvrir, je pense. Et Jade, je suis arrivée avant que ça. Mais hier, bah non. Ils avaient été relous. Jade qui pleurait en plus dans la voiture, on voulait pas aller à l'école.
Oh là là, quand elle veut regarder ses dessins animés le matin, moi je. Bref. Je suis relou ce matin. Autant c'est mardi, j'étais pump-up, mais alors là aujourd'hui, faut que je finisse de regarder mon épisode par la rediff du live d'hier soir de Dollywood. Le fait crypter l'accusé, je vais y arriver. Parce que ça finit tard, du coup j'ai pas pu regarder la fin. J'étais me coucher avant, donc voilà, faut que je regarde la fin. Donc je vais regarder ça en faisant machin, en attendant que tu lances ton live, mais je le vois pas quoi. Je refresh, mais pourtant c'est censé mettre. Mais non. Il est pas là. Qu'est-ce qui est fou? Faut que je commence à préparer les trucs aussi pour le live de cet après-midi. Oh, je suis contente. Ouais, hier mes caméras elles ont pas bugué. Si, une fois, parce que j'avais shooté dans le truc. Ça, c'est bon. C'est vraiment mon souci, c'est que mes genoux sont touche limite ma tour. Est-ce que je peux la reculer? J'ai peur. Non mais ah oui, encore un DVD là-dedans. De divergence. Mais tu vas rester dedans. Non, je veux pas. Oh là là, je suis mais cuite. Du coup, pas de sieste aujourd'hui. Donc, ouais, ce soir, Lilou voulait aller à Burger King ce soir. Parce qu'il y a le truc de One Piece, là. Il voulait tester, il voulait avoir des trucs One Piece. Mais clairement, je sais pas si on va être en état, quoi. Il va falloir que je me dévoue pour aller chercher à manger et puis revenir. Je sais pas, franchement. Alors qu'on a le frigo qui est plein, quoi. Pour une fois, j'ai fait les courses. Habituellement, on arrive le vendredi, il n'y a quasiment plus rien dans le frigo. Le week-end, c'est chaud. Mais les courses, c'est devenu tellement cher, là, franchement. Franchement, je sais plus quoi prendre. C'est. Oh, une salade. Voilà, salade 1,79. Excusera. On en a parlé lors de mon live hier. Il y en a dans certaines villes où c'est à 3,50 € la salade. Tu m'expliques? Moi déjà 1,79, je dis non. En plus, c'est vraiment pas une grosse salade, hein. Hein, voilà. Donc non, quoi. Il y a des trucs, c'est abusé, franchement. Hein. Mais encore, maintenant, je fais ma lessive toute seule. J'en achète plus. Je fais déjà des économies là-dessus. Mais non, la vie est vraiment devenue trop chère, quoi. Il y a un moment. C'est horrible. C'est pas comment. Au départ, je voulais faire un effet marbre, mais non, ça va pas le faire. Je sais pas. Les papiers. Amazon! Ça, c'est Amazon. C'est pas Amazon France, du coup. Hein? Ah, si. Rétini sur orge. Eh ben, faites un effort, s'il vous plaît. Voilà, faites un effort. Ça va pas du tout, cette imprime. Au secours. Voilà. J'ai des mèches de partout. Oh, c'est hier soir, Jade, elle a voulu jouer à la coiffeuse avec moi. Ah bah, comment vous dire? Elle m'a mis des barrettes partout dans les cheveux, mais j'avais mal. Et à un moment, j'ai dit stop. Ah bah, elle a pas kiffé mon stop. Mais comment vous dire que je pouvais plus? J'ai déjà pas beaucoup de cheveux, elle m'en arrache, quoi. Maman, non, quoi. Tu seras pas coiffeuse, chérie. T'es saoulée. Ah ouais, elle m'a défoncé. Ouais, j'avais des barrettes, mais j'en avais que derrière, en fait. Voilà, les deux devant. C'est abusé, quoi. La ligne. Bon. Bon. Et pixel, pixel. Pixel, pixel. Pixel. Et hier soir, là j'ai mis une deuxième couche, hein, mais vous aurez vu, la première couche c'était. Voilà. On voit vraiment que c'est des pixels quoi. Un petit rototo, je suis désolée, je sais pas pourquoi je. Le café qui passe peut-être pas. J'avais peur pour cet effet, enfin cette lune là, cette lune qui devient top, qui repart en lune. Enfin, moi j'ai fait comme j'ai pu et écoutez.
Il n'a pas été fait plus que ça. Enfin, j'ai cherché sur Insta d'autres qu'il avait fait et beaucoup en blanc, beaucoup. Je suis pas sûre de ma fleur, mes fleurs de concombre là, franchement. Mais bon, voilà, ça change. J'ai voulu innover. Je sais pas si je vais pas repasser quand même un peu de. Je sais pas. Au secours, aidez-moi ce matin. Franchement. Bah du coup, je vais vous laisser là. Je sais pas combien de minutes de rush je suis en tout. Mais je pense que vous avez eu des vlogs assez longs dernièrement. Hein. Le vlog 9. Fallait être courageuse. Courageux pour le regarder jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je crois que je viens. Oui, je vous ai mis. Je vous ai publié la suite ce matin. Donc, ouais. Et la foi. Donc, ouais, je pense que je vais arrêter. Là, parce que de toute manière, je pourrais pas filmer ce week-end. Le week-end, c'est rare que je. Voilà. Que je puisse. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je verrai si je. J'ai pas de rendez-vous de prévu. S'il faudrait que je pense à prendre rendez-vous au médecin. Mais je pense pas que j'ai de rendez-vous de prévu ou quoi. Donc, normalement, la semaine devrait se dérouler normalement. Voilà, si mes enfants tombent pas malades d'ici là. je devrais pouvoir faire un vlog encore la semaine prochaine. Il faut vraiment que je pense à mettre mes rushs. J'ai toujours pas déposé mes rushs de mon bureau tour sur mon PC. Je l'ai toujours pas fait. Donc ça arrivera quand ça arrivera. Hein. Voilà. Mais oui, il faut que je fasse ça. Peut-être j'y pense ce week-end. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sinon, bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi. Voilà, des gros bisous, prenez soin de vous et j'espère que vous aurez passé un bon week-end. Ciao.